Les mains, s'il vous plaît, sur le capot. Je vais vous demander des renforts, s'il vous plaît. Mais le véhicule est gagé par rapport à quoi? Par rapport à quoi le véhicule est gagé? Démontez-moi les AZ. Messieurs. Moi, non. C'est Bruno, Alfa Romeo. Salut les guipolés, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, nouveau prank. Je vois que vous avez kiffé l'ancien. Là, on part sur mon deuxième prank, il va être incroyable. Je suis habillé en mec qui met des amendes, et je vais aller mettre des amendes. Si vous voulez une partie 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Appuyez sur le bouton bleu, mettez un commentaire. Dites-moi si vous kiffez cette vidéo, si vous voulez que je fasse plus de pranks ou pas. Et bon visionnage à vous, les gars. Mal garé, monsieur. Oui, mais moi je suis en train de dépanner là je vais, moi. Ah, vous êtes en panne? Oui, je suis en panne là, regarde le pneu. Votre véhicule est en panne? Oui, là je vais. D'accord. Je viens de garer et puis je vais. Ok, mais pourquoi vous n'êtes pas mis ici, monsieur? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas reculé là? Vous êtes sur un passage piéton? Non, là je suis en train de chercher de faire le pneu et puis là pour que je pars, monsieur. D'accord. Vous pouvez pas me verbaliser. Monsieur, excusez-moi, ben, on va vérifier. Déjà, on va juste vérifier la plaque d'immatriculation. Pour faire quoi? Vous me recevez? Je suis en train de dépanner là, tu vois. Allô, vous me recevez? T'es pas sur le côté, sur le côté, vas-y, file. Mettez-vous sur le côté. Tu les avances. Rangez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Fim. Mais bon, ouais, cette voiture, c'est la mienne. Ouais. C'est trop tard? Trop tard, hein. Trop tard, mon ami. Hein. Non, ça va monter à combien, justement? C'est juste 35. 35? Ouais. C'est bon. Faut la régler là tout de suite, là, maintenant, là? Non, tu la régleras plus tard. D'accord. On la réglera plus tard. D'accord. Tu vas recevoir l'amende directement chez toi. D'accord, sur combien de jours à peu près? Je peux recevoir ça sous une quinzaine de jours. Ah, une quinzaine de jours, c'est rapide. Vas-y. Mais ton véhicule, il est en état? Oui, il est en état, il y a tout. Tu viens de sortir de là où tu es en train de... 5 sur 5. Ok. Et je vais te donner une plaque d'immatriculation. Beta 9. 135 euros, monsieur. Ah oui, on n'a pas le droit de rouler comme ça sur la route, monsieur. Je suis désolé. Ah oui, non, 135. C'est vous qui avez fait la plaque d'immatriculation? Oui, c'est bien. La moi. Plaque, c'est vous oui, qui l'avez fait? Oui, vous c'est êtes bien. Sûr, monsieur? Mais pourquoi vous dites que vous êtes sûr? Non, je suis un menteur. Non, monsieur, on va juste vérifier si c'est une vraie plaque, parce qu'il y a des fausses plaques qui tournent en ce moment. Ouais, je sais. Il y a des fausses plaques qui tournent en ce moment. Je peux te donner la carte grise. Je peux te donner la carte grise. Non, je ne veux pas voir la carte grise. Je vais juste vérifier la plaque. Par rapport à la carte grise. Hein? Par rapport à la carte grise. Oui, non, mais je vais juste vérifier la plaque si tout est en ordre. Là, les deux plaques devant, c'est pas les mêmes, les deux sont à mon nom. Les deux, pourquoi c'est pas les mêmes plaques? Parce que à la base, j'avais pris la voiture avec les deux mêmes plaques, c'était celle-là. Ok. J'ai fait un accident devant, j'ai refait tout le pare-choc, puis j'ai demandé deux nouvelles plaques en même temps que la carte grise. Ok, d'accord. Et j'ai mis la plaque devant et celle-là, comme elle était pas endommagée, je l'ai laissée. Voilà, on va vérifier. On va vérifier au niveau de la plaque. La plaque, c'est Alfa Romeo. Je te reçois, oui. Véhicule gagé. Votre véhicule est gagé, monsieur. Ça veut dire? Votre véhicule est gagé, ça veut dire quoi? Vous avez reçu des amendes il n'y a pas très longtemps. Où? Vous avez pris des amendes il n'y a pas très longtemps, non, monsieur. Non. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez pas pris d'amende il n'y a pas très longtemps? Pas encore. Votre véhicule est gagé. À partir du moment où vous recevez plus de 3 amendes et que vous ne les avez pas payées, votre véhicule est gagé. Ça, c'est, la fourrière. Non, ça c'est l'arnaque. Ça, monsieur. J'ai pas entendu, vous m'avez dit. Ça, c'est l'arnaque, ça. C'est qu'est-ce qui est de l'arnaque? Moi, mon véhicule n'est pas gagé. Votre véhicule n'est pas gagé? Oui, non, il n'est pas gagé. Tu peux me vérifier, s'il te plaît? Vous allez où, monsieur? Monsieur, vous allez où, monsieur? Le véhicule gagé depuis 2014. Il a chié, il a pissé là-bas, là. Sur toute la route, là. Mais j'ai pas plein de monsieur. Il y a plein de voisins qui se plaignent, monsieur. C'est pas vrai. Ah, si. J'ai toujours le sac. Non, monsieur, je suis désolé. Vous gardez le sac, gardez le sac. Il a pissé ou il a pas pissé, là? Il a pissé, oui. Il a pissé. Mais il a pas chié. Dans toute la route, c'est qui? Mais je promène pas celui, je peux pas ici. Vous le promenez ici? Dans la cité? Non, mais monsieur, désolé. C'est pas votre nom, vous allez prendre des amendes. Là, c'est inadmissible. Et vous recevez des amendes. Il y a un code 12. Un chien qui est caca partout et qui est du partout. Mais en plus, non, il attaque, il est agressif. Non. En plus, il attaque, il est agressif. Ah non! Il y a pas d'amende, il n'y a rien. Bonjour? Si, des amendes, j'en ai pas. Véhicule volé. Le véhicule, il est en règle, votre véhicule, monsieur? Ouais. La plaque, vous l'avez eu, la plaque? Ça, c'est la plaque d'origine. Ouais, ok. Et quoi, j'ai fait la carte grise, j'ai demandé une nouvelle plaque. D'accord, la nouvelle. Comment la vérification des papiers de la carte grise?
Venez, monsieur. Venez, monsieur. Calmez. Mais qui n'est pas gâché? Pourquoi vous criez, monsieur? Mais oui, parce que ça c'est du larnard, ça. Venez ici. Moi, je connais, moi, je connais le rythme que vous êtes venu faire. Mon véhicule n'est pas gâché. J'ai l'assurance, j'ai tout. On arrive. Gâché, c'est à partir du moment où vous recevez 3 amendes. Tenez, je ne veux pas vérifier. J'ai pas des amendes. Vous n'avez pas d'amende? Oui, j'ai pas des amendes. Pourquoi est-ce qu'on me dit? J'ai pas des amendes. C'est n'importe quoi ce que vous faites, monsieur. On se gare pas ici comme ça en ville. On roule pas à 300 km/h. Ah, vous allez prendre une amende, monsieur. La plaque, s'il vous plaît. Descendez de votre véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Regarde, monsieur. En plus, il est agressif, le chien. Mais non. Ramenez-moi des renforts, s'il vous plaît. Ramenez-moi des renforts. Monsieur. Monsieur, on va arrêter de rigoler, là. Vous avez pris des amendes, vous avez dit? Vous avez payé? Ouais, toutes payées. Toutes payées? Toutes payées. Comme... Véhicule volé à Starfield. D'accord. Excusez-moi. Il a été volé en 2017, votre véhicule. Impossible. Vous êtes sérieux, monsieur? Je l'ai depuis août 2020. Vous l'avez depuis août 2020? Depuis août 2020. D'accord, mais en 2010, vous l'avez acheté à qui, ce véhicule, monsieur? Un garage. Un garage? Un garage dans le nord. Dans le nord? Voilà, fille. On est sur le côté. Attends. Non, sortez pas du véhicule. Sortez pas du véhicule, restez dans le véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, monsieur. On a placé une situation pour vérification. La plaque d'immatriculation, bonjour monsieur. Ouais. J'ai changé la carte grise, je sais pas, tu retires la plaque, je viens de la changer la semaine dernière. D'accord, le véhicule vous appartient? Oui. Ça? Il n'a aucun problème? Non. Vous l'avez acheté quand ce véhicule monsieur? Je l'ai acheté il y a plusieurs mois, mais je viens de refaire la carte grise. D'accord, vous l'avez acheté il y a plusieurs mois, mais vous venez de refaire la carte grise. Très bien. Ouais, j'avais des problèmes en fait, je viens d'avoir le permis. J'ai pas entendu, vous avez dit? Je pouvais pas faire la carte grise sans le permis, j'ai envie de le recevoir. D'accord. Je vais demander de me vérifier et me ramener des renforts, s'il te plaît. Monsieur, il va falloir qu'on vérifie. Hein. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Vous l'avez gardé à 5 minutes? Ouais, même pas. Vous avez... C'est trop tard, monsieur. Vous êtes mal garé, hein? Ah, vous avez pris l'amende, monsieur. Ah, vous êtes mal garé, monsieur. Vous voulez une dépanneuse? Tu me ramènes une dépanneuse, s'il te plaît. 3 minutes, c'est oui, même ça fait une minute, monsieur. Vous êtes mal garé. Je suis désolé. D'accord, elle arrive d'ici 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous êtes mal garé. On est d'accord. C'est faux. Pas, d'ailleurs, je suis des nouvelles sur la région, mais je sais pas. Je vois les gens, ils se garent et c'est moi qui prends le. Ah, le monsieur, truc, monsieur, c'est les, on fait pas comme les gens. À partir du moment où les gens se garent mal, c'est pas comme eux, monsieur. Je sais pas si c'est interdit ou pas. Une vérification. Depuis 2017. Depuis 2017? Vous entendez, monsieur, ce que vous êtes en train de me dire? Depuis 2017, on me dit que votre véhicule est gagé. C'est une amende de 135, ça, monsieur, déjà. Pour non, commencer. Non. Moi, mon véhicule n'est pas gagé. Moi, je refuse ça. Mon véhicule n'est pas gagé depuis monsieur, 2017. Vous pouvez refuser, vous avez moi, j'ai acheté devant... depuis... Envoyez la dépanneuse. Hein? Envoyez la dépanneuse. Monsieur, vous pouvez me dire ce que vous voulez. À partir du moment où le véhicule est gagé, on peut rien faire. Mais le véhicule est gagé par rapport à quoi? Par rapport à quoi le véhicule est gagé? Démontez-moi les AZ. Monsieur. Moi, non. Monsieur, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Venez ici, monsieur, s'il vous plaît. Revenez par ici, monsieur. Monsieur, venez ici. Il n'y a aucun signe. Ah oui, monsieur. Moi, je ne savais pas. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Moi, je sais. Ah non, monsieur, vous allez prendre une amende. C'est 135 pour vous, monsieur. C'est 135. On aura besoin d'une audition du conducteur du véhicule aussi. C'est ça. Le conducteur du véhicule de la Opel Corsa. On va avoir une audition. Vous saviez pas? Ah monsieur, monsieur, vous êtes mal garé, monsieur. Ça vous. Comment vous saviez pas? Il n'y a aucun signe par terre. Il n'y a aucun signe au sol. Excusez-moi, monsieur, vous restez ici, s'il vous plaît. On fait au plus vite, hein. Parce que vu l'heure, il faut que le magistrat soit là. Sinon, il devrait rester en garde à vue. Je viens de la région 34. Je sais même pas que c'est. Vous venez d'où, du 34? D'accord, monsieur, mais vous avez pris une amende. Je suis désolé, monsieur. Parce que vous voulez que je dise. Ça fait même pas 3-4 minutes. Si c'était pour des heures. Parlez-lui, monsieur. Monsieur, c'est bon, c'est une petite. Monsieur, c'est une blague. Écoutez-moi, monsieur. C'est une blague. Ah, Jacques, c'est bon, c'est une blague. Je rigole. Je rigole avec toi, mais je vous mens pas, je me chie dessus, là, j'ai plus caca, là, que je pète depuis tout à l'heure. Et là, les gars, où est-ce que je vais essayer de le faire? Baisse un peu la caméra. Elle va un condé là, tiens. Elle va un condé.
Voilà, il y a un condé dans la voiture. Ah, t'es fou quoi? Ah là, là c'est bon. Sur le corps, ta plaque. Sur le corps, j'y vais pas. T'es fou. Voilà, je me casse. Je répète, diagonale, Nika, Bobo. Les luminaires sont focalisées. S'il te plaît, tu me vérifies cette plaque. Hein? J'ai dit, vous pouvez vérifier, je suis dans les règles, mais je sais même pas si c'était... Vous êtes dans les règles? Monsieur, vous êtes pas... Mais comment vous êtes dans les... Vous voulez qu'on appelle du renfort, monsieur? Vous ne me dites pas que vous êtes dans les règles, vous êtes mal garé. Arrêtez, monsieur. Arrêtez deux minutes. S'il vous plaît. Il est en règle? J'ai une amie, monsieur. Et vous, monsieur? Recevoir, là, c'est tout. Vous êtes son ami? Oui. D'accord. J'attends, vous vous appelez comment? Véhicule gagé depuis mai 2017. Je répète, véhicule gagé. Votre véhicule, il est gagé, monsieur? Qu'est-ce que c'est gagé, monsieur? Vous avez reçu des amendes il n'y a pas très longtemps? J'ai reçu une amende. Ben, je ne l'ai pas reçue, j'attends de la recevoir. J'ai pris ça à Fresnes il y a deux semaines. En vous habitez à Fresnes? Non, j'habite pas à Fresnes, mais je l'ai prise là-bas. D'accord. C'était vous habitez où, monsieur? J'habite à Chimazarin. Chimazarin? Et vous, vous êtes? Rungis. À Rungis? Ouais, j'habite à... D'accord. Rungis. Vous êtes son ami? Oui. D'accord. Votre véhicule est dégagé, monsieur? Il y a quoi dans le véhicule? Il n'y a rien de dangereux? Non, non. C'est quoi ça derrière? C'est un matelas. C'est un matelas? D'accord. Sortez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Le contact, sortez du véhicule. Les mains, s'il vous plaît, sur le capot. Je vais vous demander des renforts, s'il vous plaît. Vous allez devoir vider le véhicule. On va devoir, vous allez venir avec nous. On va aller faire une vérification. Je vais Il y a plein de packs d'eau, tout ça, je les mets. Vous avez quoi? J'ai pas entendu, excusez-moi. Des packs d'eau, etc. Ok, bah. Vous habitez dans le coin? Ouais, juste là. Quelqu'un peut venir récupérer tout ça, les courses? Il va aller au garage. Hein. Ah, va au garage. Ah, va au garage. Bah, monsieur, il y a un problème. Il y a eu un vol sur, ce, sur cette plaque d'immatriculation. Ça va aller au garage. Je suis désolé. C'est pas Tonio. Hein? C'est pas Tonio. Tonio? Ouais. Que c'est que Tonio? Ah, t'es bon, mon gars! Ça va aller au garage, bah, monsieur, je suis désolé. C'est en 2017 le vol? En 2017. Mais elles ont été faites là-bas? Elles ont été... Là, vous avez la carte grise? Excusez-moi, monsieur, je... C'est les ordres, hein. Vous voulez que je fasse quoi? Je peux rien faire. La carte grise, elle est... Ah, monsieur, juste va falloir vider tout ça, s'il vous plaît. On peut appeler ton frère? Son... Appelle son frère directement. C'est bon, je rigole, mon gars, c'était un franc, mon pote. Oh là, j'ai trop chaudé en même temps, ma gueule. Ils ont réagi bien. T'es chaud, c'est du fait. La tête des yeux, type ça. J'écoute. C'est Allez, gros, Fred. Bisous. Je suis choqué, mon frère. Le logo et tout. Après, je vois SVP. Ah, là, j'allais vous faire, là, les parents. Oh, tu te connais, toi? On a fait un contrôle d'identité. DNG, diagonale, Niskagougou. Celle-là, elle est magnifique, celle-là. Ah, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle était magnifique. Mais déjà, il s'était pas bien. Voilà, déjà, il s'était pas bien. T'as vu comment il roulait doucement? Il est pas agressif du tout. Il est pas. Il fait alors, quoi là? Il essaie pas de m'attaquer? Il veut jouer. D'accord. Il veut jouer? Oui. Non, il veut pas jouer là, monsieur. Là, il veut m'attaquer là. Il est agressif. Là. Il est agressif, monsieur. C'est qui ce monsieur là? C'est qui lui? Je sais pas. Monsieur, restez avec moi s'il vous plaît. Restez avec moi. Non, mais je suis là. Pourquoi vous? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Regardez-moi. Monsieur, tu peux me donner des informations sur monsieur? Vous habitez où, monsieur? 85 d'années. Il a fait pipi là, monsieur? J'ai mal, mais franchement, désolé. Hein? Franchement, désolé. Ah non, mais on fait pas pipi comme ça, monsieur. Là, je suis désolé, là. Nom, prénom, s'il vous plaît. Nom, prénom, vous allez prendre une amende, monsieur. Nom, prénom, j'ai pas envie de vous fouiller, vous demander votre carte d'identité. Donnez-moi le nom, prénom. Vous appelez comment? Le chien, là, par contre, là, SPA, je vous le dis. Hein. Et on prend pas un chien agressif comme ça, monsieur. Mais c'est pas agressif pour lui. C'est pas agressif, qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure? Il m'attaque pas? Mais non! Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il vous dit qu'il attaque pas, regardez, il va jouer. Ah non, là, il veut pas jouer là. Regardez, agressif. Agressif en plus.
Appelez-moi des renforts, s'il vous plaît. Monsieur, restez ici, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, je suis là. Delta Charlie localisé. Je suis agressif comme ça, monsieur, ça doit se piquer, ça. Mais monsieur, il n'est pas agressif. Il fait quoi, là? Mais il veut jouer, monsieur, s'il vous plaît. Comprenez, il veut jouer. Il veut jouer? Oui. Vous êtes sûr? Certain. Ah oui, mais là, monsieur, regardez. Là, il joue, là. Regardez. Mais oui, regardez les queues. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, en plus, il a l'air incroyable. Ah, vous voulez pas me donner le nom, prénom? Non, je donne. Je vais demander des renforts, s'il vous plaît. Vous êtes connu des forces de l'ordre ou pas? Vous n'avez pas compris, je vous ai dit, est-ce que vous êtes connu des forces de l'ordre? Non, je connais pas. Tu connais pas? 1200 euros majoré. D'accord. Tu connais pas les forces de l'ordre? Est-ce que tu es connu de la police? Major Bruno. Ouais. T'es déjà allé au commissariat? Non, jamais. D'accord. Tu es connu de la police? Non. Mais je connais, ouais. Oh là 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 là. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. On arrête ces conneries. Vous venez avec moi, monsieur? On va aller vers la voiture, s'il vous plaît. En plus, vous avez pas de masque. C'est incroyable, hein. Il est où le masque? Je saute ici, monsieur. Il est où le masque? Je saute ici, juste pour pisser, je l'ai fait pisser, c'est tout. En plus, il est agressif. Incroyable. Incroyable. Oui, oui, toi, tu vas recevoir une amende, toi, déjà. Mais c'est pas toi sur la photo, là. C'est à moi. C'est toi? C'est à moi. Vous vous foutez de moi, monsieur? Bien sûr. Anis, vous appelez Anis? Voilà, ah oui, en même temps, vous n'allez pas vous appeler François. C'est ça? Oui. Hein? On vient d'arriver en France, c'est ça? C'est moi. Hein? Combien de temps vous êtes là? 2 ans. 2 ans? D'accord. Et si on vous embarquait au commissariat, c'est très drôle. Hein? On parle, en plus on a l'accent. Voilà, moi je comprends plus rien. Hein? On est en France ou on est où là? Vous êtes quoi, tunisien? Entre le mur et pas le passant de sécurité, les renforts. On est où, monsieur? Tunisien. Vous êtes tunisien ou algérien? Vous êtes quoi? Tunisien. Tunisien? Ouais. D'accord. On va juste aller au commissariat pour faire une petite vérification. Vous allez me suivre? Entrez chez moi. Hein? J'habite ici. On entre chez moi, je vous donne les papiers. Parce... Ah non, 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 je veux pas de papier, monsieur. Vous venez avec moi, on va aller au poste. Vous attendez ici, mes collègues. Vous pouvez accélérer et me ramener du renfort, s'il vous plaît? J'embarque monsieur en chien agressif. Mais il n'est pas agressif! Venez avec moi, monsieur, suivez-moi, s'il vous plaît. On y va. On va au commissariat, monsieur, vous allez me suivre. Vous allez prendre une amende de 235 euros, vous, monsieur. Allez, venez, suivez-moi. Monsieur, hein? S'il vous plaît, désolé, vraiment, monsieur. Vous recommencerez plus? Juste un passe Navigo. Ah ouais, c'est sûr. Encore un petit papier. Bon, là, j'étais à deux de courir. Ouais, on habite à la cité avec vous. On habite dans la même cité que vous, vous ne avez pas reconnu. Bah non, je vous ai pas reconnu. Ah oui, monsieur, on habite dans la même cité que vous. C'était une blague, monsieur. Bah, ah non, non, vous avez monsieur. Oui, c'est vrai. Ça va, monsieur? Bah non, j'avais mal au dos. Vous avez mal au dos? Ouais. Il faut marcher un peu. Hein. Mais je peux pas, j'ai mal à l'âge. Ah ouais. C'est même sur ça. Réaction, Zef, réaction. Hein? Réaction alors. Il est gagé ou pas le véhicule? Non, non, c'est pas gagé, mon véhicule n'est pas gagé. Tu veux dire quoi? On va t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait quoi, le chef? Non, mais j'ai tapé, mais ça reste une barre pour dévisser. Moi, okay, je vais partir comme ça. Faut que tu changes le pneu. Oui, mais c'est une barre qu'il faut avoir une relange pour faire ça. Ah ouais, comment t'as fait? T'as tapé un trottoir, ça? Non, j'ai tapé un trottoir. Putain de merde. Oh, mais vous êtes... Oh putain. T'as eu, t'as eu. T'as pas vu quoi, il s'est énervé là, la voiture, elle est pas mal. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Déjà, m'empuner, bon. Et puis vous m'avez dit... Oh non, non, non. Il n'en m'en a pas. Il y a 7000, faut y aller, s'il y a 7000. Non, s'il y a 7000, les gars, la prochaine, je vais voir les policiers direct. J'en mets une amende, j'en ai rien à cirer. Mais là, les gars, je vais vous demander tout simplement de m'exploser le bouton bleu si vous voulez que je fasse d'autres pranks, des trucs de ouf. Toujours dans le respect, on respecte les darons, on respecte les... on respecte les anciens. Ça veut dire que je vais essayer de le faire à des jeunes. Je vais peut-être faire des darons, mais toujours dans le respect, les gars. Alors, explosez-moi ce bouton bleu si vous voulez une partie 2. Allez, bise.